Hey, salut tout le monde, c'est Maxman, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Maskill. Aujourd'hui nous sommes en Maskill avec un T49, char léger américain de rang 9. Et oui, vous regardez un peu, regardez ce char. Ah, il a deux marques d'excellence, pas mal. Ce char avec ce canon, le canon de ouf, de malade. Donc c'est un canon un peu, c'est un 152 mm. Voilà, donc c'est un peu le canon du KV2 sur un châssis de char léger. Voilà, qui fait bien le taf. Enfin, je viens de l'avoir moi, donc je suis assez content parce qu'il est vraiment hallucinant quand vous tirez avec. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Donc le point fort, comme je disais, c'est son canon. Il fait 900 de dégâts si vous pénétrez à la HE, donc 76 de pénétration. Après, nous avons de la HIT à 76 de pénétration pour 700 de dégâts. Voilà. On voit qu'il emporte un coca. Kit de réparation et trousse de soins. Il prend pas d'extincteur, donc je sais plus trop si l'extincteur... s'il s'en sert beaucoup. Allez, il voit le WZ. Oh, voilà pourquoi ce char il est énorme. 770. Il est complètement cheaté, ce char, je vous assure. J'ai fait quelques parties avec où je roulais. Je me rappelle d'une partie sur Percée Fulgurante. J'ai tiré, mais comme ça, YOLO, voilà, regardez, 900. Deux tirs, il est déjà à 1670 dégâts. C'est un char léger. Donc, voilà, c'est vraiment très impressionnant, ce char-là. Je suis vraiment content. Si j'ai un char à vous conseiller, c'est bien sûr. Il est vraiment énorme, ce char. Je sais plus ce que je disais parce qu'avec tout ce qu'il avait oui, donc j'étais sur percée fulgurante et en roulant j'ai tiré, j'ai one shot un scout adverse, vous savez quand on se croise là. Voilà, c'est tout à fait voilà, c'est tristesse pour le scout adverse. Donc si aussi le temps de réticule est de 3 secondes 6, donc c'est pas beaucoup, et la dispersion 3,6, ça aussi c'est beaucoup. Allez, hop, 923, voilà. Le TVP qui est content, voilà, super. il est tout simplement énorme, ce char, voilà. C'est un peu comme le KV2, dès qu'il touche, vous avez un grand sourire. Allez, et voilà, il a fini en deux coups un TVP qui était à 1300 de points de structure, je crois. Non, oui, 1350. Qu'est-ce que vous voulez? Là, quand on est au TVP, là, on a un peu les boules. Allez, l'IS2 qui bouge pas, serein. Hop, 300, voilà. Généralement, quand on tape sur un char lourd ou un char blindé, on fait du 300 à 400 de dégâts, généralement. Bon, ça suffit hein, déjà. Hein. Parce que comme c'est un char, un scout de tir 8. Généralement on tombe contre du 10 ou du 9 ou du 10. Donc quand on fait 300 de dégâts, on est content quand même déjà, parce que c'est déjà pas mal. Allez, il est déjà à 8410 de W8 sur 5 tirs. Voilà, vous vous rendez compte, il a fait que 5 tirs et il est déjà à ça. Donc pour fermer les W8, je crois qu'il n'y a pas mieux. Allez, le petit 13. Est-ce que tu veux te montrer le petit 13? Ça serait vraiment sympa que tu te montres pour qu'on puisse te voir perdre tous tes points de vie en un seul coup. Hop, ah non, il ne les perdrait pas. Parce qu'il y a le T71 qui est en train de le farm. Ah là là, dommage. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le rush? Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Allez, rush le 13. Attention hein, quand vous roulez, hein, la dispersion est vraiment dégueulasse. Allez, voilà, ça c'est fait. Il va aller pouvoir chercher les arties.
Ah, quoique là on voit que son équipe, ça sent pas bon. Voilà les articles qui sont dessus. Son équipe, ça se passe pas très bien. À 50-100, ça va. L'IS6, ah, ça va. Il peut les one-shoot pour l'instant, ce qu'on a vu. Ils sont à 7-10. 7-10, en sachant qu'il reste plus que 3 artis de leur côté, quoi. Donc, il reste plus que 2 chars mobiles. Enfin, mobiles. L'ISU 152, c'est pas un super char mobile, mais il met des cacahuètes. Il met des grosses cacahuètes. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué tout ça, hein. Allez, l'IS qui est sorti. Allez, est-ce qu'il va pouvoir sortir le. Oh! Les boules! Ça n'a pas pénétré. Enfin, ça a pas pénétré. Donc, c'est un peu les boules. Allez, il va essayer de se taper le. Allez, ah, le reload, je ne l'ai pas dit, mais c'est à peu près 20 secondes. Vous pouvez descendre à 19, je crois, si vous avez. Ouf, 300, ça c'est bon. Pour le snipe, c'est pas un super sort de snipe. Mais vous avez vu, un niveau canon, mobilité, tout ça, c'est vraiment très très bien. Allez. Et là, il reste plus que une artie. Est-ce qu'il va l'avoir? Oui, le Tiger qui est fini. Il se fait un 2, 4, 6. Il est à 7. Il était à 7. 7 contre. Bah, 7 contre lui. 7v1. Donc, est-ce qu'il va réussir à gagner? Pour l'instant, il est à 5 kills. Bon, ça, c'est un gros noob. L'IS2 qui a. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, l'IS2. Voilà. Donc là, il va lui tourner autour, hein, le temps que. Ouf, il fait ricocher l'IS2 en plus. La chance. Allez, boum. Voilà. Là, c'est bon. C'est qui? Il a la Top Gun. Voilà, faut qu'il roule, hein, parce que les artis, ben, elles vont aller sur lui. Il reste plus que l'AMX 5100, le Yak Tiger. Donc là, on sait qu'il y a, à mon avis, c'est l'AMX qui est dans le cap. Donc là aussi, il va jouer avec sa portée de vue, qui est bien meilleure. Oula. Ah, ça pue ça. Est-ce qu'il va tirer? Ouf. Chance. Donc là, il peut se rapprocher. Voilà. Il le finit. 7 kills. Attention à lui. 50-100. Ah, il a une vie. Il voit quelque chose là. Donc il a fait un tir, le 50-100. Ok. Oh, il aurait pu essayer d'attendre. Ah, quoique. Non, il était spot. Et les artis auraient été. Lui aurait farm la tête. Allez, 50-100 qui regarde toujours là-bas. Il attend. Il n'est pas vu. Et il est fini. Voilà. Super. 8 kills. L'Hardley. 5210 de dégâts. Et là, il tire les artis. On ne sait même pas où elle tire. Donc là, le problème, c'est que comme il a 20 secondes de reload. Donc voilà, va falloir vraiment qu'il joue avec sa portée de vue. Parce que le temps qu'il tire une artie, qu'il aille sur l'autre, enfin là, il y en a pour facile 40 secondes là pour tuer les 3 arties. Sauf s'il y en a deux qui sont à côté. Imagine, il y en a deux qui sont à côté et il fait un splash et il tue les deux en même temps. Ce serait énorme. Énorme. Bon, il tuerait pas. Je pense pas qu'il puisse tuer les deux en même temps. Mais ça serait énorme. Si on regarde le WN8, il a 16 669 de dégâts. De double minute, pardon. C'est tout simplement énorme. Énorme. Allez. Où est-on? Où? Voilà. Il va aller tranquillement se mettre là. Il est pas spot. Donc là, elle sait qu'elle est spot, elle. Mais voilà. Voilà, ça c'était sûr qu'il allait être spot. J'aurais été la Lorraine, j'aurais roulé, je pense. Je pense que j'aurais roulé un petit peu. Pour justement aller essayer de cap ou faire autre chose. Une au cap et les deux autres en train de protéger la base.
Je pense que ça aurait été pas mal. Allez, il joue très bien. Vous avez vu? Il joue avec le décor pour éviter d'être spot. Donc là, il doit savoir, à mon avis, qu'elle doit être. Là, à mon avis, elles vont pas être tournées vers lui directement. Elles vont être tournées vers là-bas. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Oh! Il l'a raté. Bon, là, il sait qu'il a le temps, là. Donc, faudra qu'il sorte peut-être la Tiger. J'aurais peut-être sorti la Tiger à sa place. Hop, donc là il est spot. Alors regardez très bien de la part de la W Tiger alliée qui lui dit qu'elle reload dans 40 secondes. Donc là il s'est dit hop, j'ai 20 secondes, ok, ça c'est bon. Et il va pouvoir la tuer. Voilà. Donc ça c'est très très bien joué de la part de l'artie adverse qui lui a dit en combien de temps elle reloadait. Donc ça c'est une bonne chose. Si vous pouvez aider vos alliés comme ça, hein. Hop, allez, il va s'éloigner. Voilà, il est plus spot. Il va monter et il va se mettre derrière un buisson. Tranquillement. Juste. Allez, boum. Allez, c'est pas grave. Il l'a pas eu. L'autre fallait qu'il tire de toute façon. L'artille, il fallait qu'il tire un moment ou un autre. Et là, au niveau du reload, on sait très bien que le T49 va la sortir. Et voilà, fini. Fini, fini. Donc une énorme partie avec 11 kills de sa part. 6077 de dégâts. Très très bonne partie. Il a su gérer tout le monde. Il a joué avec sa force et son canon et sa longue portée de vue. Il finit avec 21 549 de WN8. Je peux vous dire que c'est quand même énorme. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de WN8 sur une partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Oula.